Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en Italie pour le Garrett Contest. C'est un championnat d'Italie sur plage. Donc recherche de jetons, 250 participants. Ça se passe derrière moi où il y a la roue. Donc je vous reprends quand je suis là. Il y a un petit show pour débuter. Et après on fait la vidéo. A tout de suite. Alors les amis, je vous reprends, on est sur le terrain, on est sur la plage, on va commencer le championnat, on a environ 250, donc c'est vraiment top. On verra comment ça se passe, je vais essayer de faire une vidéo continue sans couper, j'espère que j'aurai assez de batterie sur ma GoPro, on verra, je vous reprends après. Alors voici la manche 1. La manche 1, je ne participe pas, je suis en round numéro 2. Donc quand je commencerai, je ferai un direct et j'essaierai de rester un maximum possible sans couper le live. Voilà les potes. C'est parti les amis, la deuxième manche commence. Donc on va aller prendre une pelle. Tout le monde a la même pelle, voilà comme ça, égalité. Et je vais essayer de trouver au moins un jeton, ça me ferait plaisir, ce serait vraiment cool. En direct, donc c'était le premier tour de Xavier, mais malheureusement rien de transcendant. Et c'est parti, c'est la manche. Et c'est fini, vous avez pris en live, c'était la manche déterminée, c'est comment c'est fait. Et ici, Xavier. Donc voilà. Et on va essayer de faire un jeu, et après, je vais. Tu as un indice à combien? 79. Ouais, 79, 80, ce qui est, je pense, la lune. Hein. Allez, hein. Allez, un petit en direct là. Ce serait bien, hein? Ah non, c'est une tirette de canette, pas de chance. Ah, c'est une tirette de canette. Malheureusement. Allez, exactement, on lâche rien. Xavier commence à avoir les effets de la présence d'autres apex, donc vite un petit changement de Chanel peut-être. Bah ouais, j'ai changé de Chanel, mais il s'enflamme, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que t'as 48 décalages de fréquence, donc s'il faut tu peux... Voilà, c'est bon. Voilà, ok, nickel. Peut-être que c'était tout simplement les câbles enterrés des... Ouais, c'est possible. Oui. Ah, une capsule en surface. Capsule en surface. Allez, hein, Xavier. On représente les francophones. Hein. Donc. Il y en a, je pense,
Les câbles au milieu font des interférences. Oui. Je l'entends. C'est quand on arrive ici, hein, donc c'est vraiment ici. Voilà, donc il faut savoir qu'au moment où il arrive, il y a un peu Alors toujours pas de jetons pour moi, j'ai fait une tirette de canette, un son beaucoup plus profond, donc je soupçonne que ce soit une énorme crasse qui soit enfoncée, donc on verra comment ça se passe. Jean Beljac dit salut poteau, bonne merde, de la part de Détection FR42. Merci. Voilà. Et là on a une vingtaine à te suivre. Hein. Allez Xavier, tu nous fais un beau son, hein. Voilà. Je vous dis, hein, faut pas croire, c'est pas facile. Il n'y a pas de jetons, comme je vous ai dit, pour tout le monde. Donc j'espère que si on en fera quelques-uns, sauver l'honneur quand même. Hein, c'est... Ouais, à fond. Parce que bon, en étant invité évidemment par Gareth, faudrait pas quand même que tu te chopes le premier prix ou que tu te chopes un Apex. T'es déjà servi, hein. Donc voilà. Mais quand même, on va quand même montrer que on sait faire le taf. Soit 45-50 environ. Bah écoute, on va creuser, on va voir, parce qu'on n'a aucune idée évidemment de lundi, des jetons. Hein. Vous voyez, on entend... Ah oui, il va dans mon casque en fait. Ah mais... bah oui, vous voyez, il a... Xavier donc avait oublié donc son pointeur SZ-Link et donc c'est une crasse qui l'allume et bien ça passe donc tout le temps le casque sans fil. Voilà. Alors dis-nous, tu changes de stratégie peut-être? Non, j'essaye de brancher le casque mais ça ne va pas. Ah, c'est une tirette. C'est une tirette? Ouais. Ouais, tu l'as vu, exact, c'est une tirette. Allez, je vais la ramasser. Oh là là, décidément pas de chance. Oh là là, Xavier. Dépollution, dépollution. Dépollution, dépollution. Allez Xavier, on va essayer. Hein. Allez, au moins un petit jeton, on va pouvoir montrer aux gens. Voilà. Et je vous l'ai dit, hein, il y a moins d'un jeton par personne par manche. Donc c'est serré, ça demande vraiment de la chance tout simplement. Il faut vraiment passer sur un jeton et j'espère qu'il y aura l'occasion. Voilà.
aller de tout cœur avec toi, Xavier. Il faut un petit son. Pas bon son, mais c'est profond, on ne sait jamais. Ouais. Très mauvais son. Ouais, c'est un très mauvais son, on l'entend d'ailleurs. Voilà. Là, le but, c'est vraiment de sélectionner les scies pour faire des jetons et pas les crasses, évidemment. Exact, d'autant plus que l'endroit était dépollué hier au maximum par les organisateurs et quelques bénévoles qui étaient déjà arrivés la veille. Donc pour vraiment faire un endroit déjà suffisamment propre. Donc ici, Xavier, ben, il chope encore des sons. Pourquoi? Parce que tout simplement... Il a renterré son truc. Ouais, regarde ici, ça c'est quelqu'un qui a... Ouais, il a fait une scie, mais il a laissé. Ou c'était un jeton, il l'a pas trouvé. Non, c'est beaucoup trop profond, mais il y a l'air d'avoir les câbles qui passent en dessous des poteaux derrière, là, tu vois. Oui, ouais, les déterres fins. Et donc, voilà, donc, il disait, mais comme il a le disqueeper, bah, évidemment, il va beaucoup plus profond. Et donc, il retrouve encore peut-être des choses que les bénévoles et l'organisation qui ont utilisé, en fait, d'autres détecteurs, bah, potentiellement, n'ont pas pu trouver. Voilà. Vous voyez, donc là la manche elle est bien avancée, ça devient difficile d'aller à un endroit où personne n'a été. Mais Xavier, c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est de trouver ce... Au moins un jeton, ce serait cool. Vous voyez, pas mal de monde. Hein. Il semblait bien que tu faisais pas agua, c'était toi. Sont à 50, pas exceptionnel, mais les jetons ont l'air en alu, donc j'ai peur qu'ils sonnent pas fort en fait. Écoute, ça a l'air d'être quand même un beau son, ça, non? 48, donc pas exceptionnel, mais on ne sait jamais. Si les jetons sont en alu, c'est possible. Mais pour moi, c'est une toute petite crasse, je ne vois pas le jeton. C'est une toute petite crasse, donc malheureusement, c'est pas ça. C'est pas grave, on passe à la suite. Voilà, je fais des instructions à ma collègue pour filmer un petit peu parce que je suis vraiment triste. Vous êtes plus de 25 ici, presque 30 parfois à suivre donc Xavier ici. Hey, where is the token, the jetoni? Hey, where is? Sont où les jetons? Jetons? Ah, jetons. Non, jetons. Sont où les jetons? Là, où jetons. Ah, c'est malin. Voilà. Ah bah décidément pas de chance pour le moment les potes. Mais c'est cool de participer, je suis vraiment content d'être là.
voir ce qui est arrivé ici avec nous. C'est une superbe sortie à la plage. Juste là-bas, loin, là on a pris notre premier hôtel. Et il y a trouvé une magnifique bague avec une immense perle. Et là, d'ailleurs, mis en avant sur les réseaux. Et nous avons rapidement monté une vidéo qui est disponible sur YouTube. Il existe tous les réglages qui étaient rétablis à la plage, le mode multisalte, mode multifréquence, mais également mode multifréquence adapté et optimisé en milieu salin. Et voilà. Alors, une crache, je suppose. Ouais, bouteille. Un cul de bouteille. Allez, Xavier, on est vraiment de tout cœur avec toi, on espère au moins un jeton. Et tout se joue évidemment dans les premiers mètres, en fait. Tout se joue. Vous savez, c'est comme dans les rallyes en France, où on voit certaines personnes qui accélèrent comme ça, qui ne veulent pas rester dans le troupeau, et prendre une stratégie gagnante. En tout cas, ici, ça l'est, parce que dès que vous avancez, vous pouvez en faire un ou deux. Autant que vous en fassiez un, les autres vous rattrapent. Clairement, il en fait deux ou trois, et après, de stagner et de vraiment aller chercher après la chance. Mais passer devant comme ça, ça donne... ça donne justement un maximum de chance. Si Xavier l'a pas fait, Xavier a démarré à son aise, est-ce que ça va lui porter préjudice? On verra. À mon aise. À ton aise. Et je pense que tu n'es pas le plus à plaindre. À 19 degrés, juste ce qu'il faut. Il y a la petite brise pour éviter d'avoir, d'avoir trop chaud. Donc c'est parfait. Voilà. Hey, what is it? Coin. Une coin, c'est donc une pièce qui vient d'être faite par un participant. Voilà. 5 centimes. Voilà. Vous voyez comme quoi, hein, tout le temps, ça passe énormément de monde. Et il y a quand même des petits bails à la deuxième manche qui seront ici au bord. Alors Damien Colorado qui dit salut mon ami, régale-toi bien, allez fais-nous rêver. Et Pascal qui dit c'est pas grave parce que l'essentiel c'est de participer. Mais bien sûr que l'essentiel c'est de participer. Et je vous dis, c'est une ambiance incroyable, c'est une ambiance qui est vraiment unique. Et voyez donc les gens donc sont curieux, les gens regardent, les gens posent des questions. Et c'est vraiment sympa. Voilà. Ambiance. Par contre, ils annoncent un peu plus mauvais pour. Après-midi. L'après-midi à partir d'une heure, on espère vraiment que le temps va quand même se maintenir. Mais c'est vraiment sympa. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir justement vos commentaires, de l'interaction. Je trouve ça tellement mieux que de faire une petite vidéo after movie et après la poster et avoir que quelques commentaires. Ici c'est beaucoup plus vivant. Voilà. D'ailleurs, si vous avez juste quelques petites secondes pour cliquer sur le bouton partager, pour partager ce live, on va essayer de partager ça, on va vider la batterie du téléphone, on va essayer de faire un maximum de monde. Excepté évidemment ceux qui aujourd'hui sont sortis. Hein. Mais c'est pas vrai, la poisse quoi. Ouais,
ricordo che al termine della gara dovete spegnere il metodo del testo, chiudere la buca, chiudere la sacca e avviarvi al tavolo della giuria. Al tavolo della giuria ci saranno tre file, quindi disponetevi su tre file. Non aprite la sacca fino a quando non siete davanti ai giudici. Oh là là. À premier jeton les potes, c'est génial, je l'ai vu un peu en surface donc c'est cool. On continue. En fait je viens de comprendre la technique, les jetons sont à 20. Donc en fait ma discrie était trop haute. Mais je pense qu'ils l'ont dit en italien, mais malheureusement. Moi j'ai pas compris, donc on fait avec. Hop. Donc maintenant que j'ai la technique, maintenant je pouvais pas savoir que les jetons sonnaient mal. Mais bon, c'est pas grave, ça, détail. Là, c'est encore une capsule de canette, je pense. Che si qualificheranno passeranno nella parte delle semifinali e procederanno poi con le varie fasi anche delle finali nel pomeriggio, mentre gli altri sono... Voilà, première manche terminée, j'ai trouvé un jeton, mais il n'y a pas des jetons pour tout le monde, donc il n'y a pas beaucoup de jetons enterrés, donc voilà, c'est quand même cool, un jeton, je suis content, j'ai fait mon petit jeton. Alors les amis, je viens de participer à la seconde manche, donc c'était la première pour moi, mais c'était le round 2. C'est réparti en plusieurs équipes, plusieurs couleurs. J'ai la couleur bleue, donc c'était le deuxième round. Ça s'est bien passé, mais je n'avais pas compris qu'il fallait détecter en zéro disque, parce que les jetons sonnent moins bien qu'un clou. Donc voilà, c'était intéressant, c'était super de participer. Je vais essayer de m'arranger pour faire une sortie sur la plage aujourd'hui pour avoir assez de contenu pour vous partager un numéro. A tout de suite.